Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Di Maria à Barcelone. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et c'est parti. L'arrivée de l'Argentin au Barça serait-elle une bonne idée? Et est-ce que c'est faisable? Premièrement, est-ce que l'arrivée d'Angel Di Maria au FC Barcelone serait une bonne idée pour le Barça? Et la réponse est non. Même si Di Maria faisait partie des meilleurs joueurs du monde, désormais, il n'en est plus un. Certes, ça reste un bon joueur, un grand joueur qui a fait de belles choses dans le football il y a désormais quelques années, que ce soit avec le Real Madrid ou bien avec le PSG il y a désormais quelques temps. Mais maintenant, Di Maria est en pré-retraite dans son club formateur, le Benfica. Et donc, je pense que le ramener à Barcelone serait pas bien. Selon moi, c'est bel et bien une mauvaise idée et non une bonne idée. Di Maria, je le dis et je le répète, était un joueur incroyable, mais désormais, faut tourner la page, sachant également que le Barça possède des jeunes cracks, des jeunes talents tels que Victor Roque et Lamine Yamal, qui sont véritablement le futur du club du FC Barcelone. Et donc, je pense que ramener un vieux qui a énormément d'expérience, tel que Di Maria, on va dire, bloquerait l'évolution des jeunes talents tels que Lamine Yamal et Victor Roque. Ensuite, est-ce que l'arrivée de Di Maria au Barça serait faisable? Est-ce que son arrivée à Barcelone est vraiment possible? Et la réponse est assez logique, elle est évidente, c'est non. En effet, Di Maria ne devrait pas rejoindre l'écurie Blaugrana lors du prochain mercato. Le Barça n'est pas intéressé. Di Maria également, c'est assez logique. Entre elles, Di Maria était anciennement un joueur du Real Madrid, le club rival du Barça. Donc une arrivée d'un ancien joueur du Real Madrid semble impossible, sachant également que Di Maria, comme je l'ai dit précédemment, est en pré-retraite dans son club formateur, le Benfica. Donc l'arrivée de Di Maria à Barcelone semble impossible, mais pas irréalisable. Voici pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. N'oubliez pas également de donner vos avis en commentaire. Sur ce, ciao.